une carte spéciale d'orientation, une boussole, et c'est parti pour une activité sportive de plein air, un défi mental praticable par tous. Sport pour tous par excellence, la course d'orientation, CO pour les initiés, offre de belles opportunités de loisirs, de réflexion et de compétition pour les plus athlétiques. Seul ou en famille, des enfants ou vétérans, tout le monde trouvera son bonheur, celui de se promener en pleine nature ou en milieu urbain, découvrir son territoire, trouver les balises en courant le plus vite possible ou en marchant sur un parcours adapté. La Fédération française de course d'orientation, FFCO, est agréée par le ministère des Sports. Elle est membre du Comité national olympique et sportif français, CNOSF, et de la Fédération internationale de course d'orientation, IOF. Créée le 25 avril 1970, elle est aujourd'hui composée de plus de 220 clubs, 63 comités départementaux et 21 ligues au niveau régional, réparties sur tout le territoire national. Plus de 7000 licenciés pratiquent notre discipline en club et quelques 18 000 néophytes s'y essayent chaque année dans le cadre de nos courses Label Découverte. Les principaux objectifs de la FFCO sont bien entendu d'accueillir, fidéliser et accompagner ses pratiquants habituels ou occasionnels, mais également de positionner la course d'orientation dans le domaine des activités nouvelles de sport nature, avec le souci du respect de l'environnement et des espaces. Pour un enfant, la course d'orientation est un jeu de piste grandeur nature. Recommandée pour les qualités qu'elle développe, la CO est un sport éducatif à part entière. Avec plus de 200 000 pratiquants en éducation physique et sportive, la CO est le sport de pleine nature qui monte en milieu scolaire. La CO se pratique à pied, à ski, à VTT et par équipe sous forme de raid. Elle fait appel aux qualités physiques et intellectuelles de chaque individu, qu'elle soit pratiquée en loisir ou en compétition. Ce sport de pleine nature se découvre à tout âge, seul ou en famille, chacun à son rythme. Les circuits proposés ont une durée de 30 minutes à 2 heures selon l'âge, l'expérience et la condition physique des participants. À l'image des équipes de France qui s'affirment au niveau mondial, la course d'orientation est un sport qui monte dans notre pays. L'équipe de France senior féminine s'illustre régulièrement parmi les 10 meilleures nations, de même que les équipes de France junior et espoir féminine et masculine en COVTT et à pied. L'année 2011 a été exceptionnelle pour le haut niveau français. L'équipe de France senior masculine est enfin récompensée en relais et devient championne du monde avec François Gonon, Philippe Adamski et Thierry Georgiou. Avec ses 2 médailles d'or en individuel lors des championnats du monde 2011 en France, Thierry Georgiou compte désormais 10 titres de champion du monde depuis 2003. Il est le meilleur athlète de l'histoire mondiale de la course d'orientation. Être orienteur de haut niveau est le fruit d'entraînement, d'efforts et de renoncements, mais aussi source de plaisir. Visualiser le terrain, s'y adapter, répondre aux défis du traceur, aller d'une balise à l'autre, tout cela à haute vitesse. La compétition est pour chaque orienteur l'occasion de donner le meilleur de soi. L'expérience est un atout précieux et une excellente condition physique est capitale. À intensité modérée, c'est une activité formidable pour se maintenir en bonne santé tout en découvrant de nouveaux territoires.